T'as son universitaire? Ouais. Ok. Bah, pour moi, c'est déjà ma langue maternelle parce que j'ai commencé à apprendre le français quand j'étais en CP. Donc, c'est tout d'abord ma langue maternelle. Et bah, aussi, mon entourage parle. Enfin, dans mon entourage, toute ma famille parle basque. Ça représente une langue que j'ai apprise quand j'étais petit. Et j'ai pas forcément d'affection envers cette langue. Et elle m'attire pas autant de fierté qu'à certains. Oui, oui, enfin pour moi aussi c'est ma langue maternelle et je sais que pour moi ça a été très dur d'apprendre le français. Même aujourd'hui je ne sais pas très bien parler. Et c'est vrai que on utilise beaucoup, mais moi j'utilise beaucoup le basque, surtout en famille. Sauf qu'aujourd'hui j'ai pris un peu de recul. Et c'est vrai que le combat que mène le basque, qu'a mené le basque depuis toujours, il est très important. Enfin, je trouve que pour moi, il est très important et il est plus important que ce que je préfère le basque au français, dans son âme, on va dire. Mais je parle effectivement moins le basque que le français. Moi, je m'appelle Loreila et je suis en seconde. Je m'appelle Elaya et je suis en seconde aussi. Donc, je m'appelle Ilan Cassan. Je viens d'Anglette. J'ai 16 ans et depuis tout petit, je suis dans les écoles basques, etc. Alors, je m'appelle Chachi Obiag. J'ai 16 ans. Je suis en première S au lycée Bernat Etchepalé. Je suis à l'internat. Je suis sous le TIL. J'ai un frère. Qui s'appelle Lucho et je viens tous les lundis, repars tous les vendredis chez moi en Soul où j'ai une heure et demie de route. Atxaldeon edo gabon, ni ekiniz eta terminaleniz Baionako Bernat Etxepare Lizeoan, terminal zientifikoan. Baxo euskaraz eko kideniz, baxo euskaraz da bere izenak dioen bezala, basoa euskaraz pasa dezagun militatzen duen erakunde edo antolakundea. Eta ara aurten ere izan gira urteontzeak ekintzak egiten eskuintzak pixkat ara ikusteko zertan ginen basoarekin eta ara. Bonjour, je m'appelle Simon Mendiguru. Je vis à Mendiand. J'ai appris donc tout petit le basque en même temps que le français. Qu'est-ce que je dis de plus? Ma mère est basque et mon père est français, donc avec ma mère je parle toujours en basque, avec ma soeur aussi, et avec mon père du coup en français vu qu'il ne comprend pas. Mais même pendant les discussions, en famille ou comme ça, je veux dire, même pendant les repas ou comme ça, on parle en basque en fait et mon père comprend quand même en fait, c'est lui qui s'adapte en fait, mais c'est quand même le basque est bien plus prédominant que le français quoi. Vraiment, j'utilise le français que pour parler avec mon père spécifiquement. Mon père a appris le basque. À la base, il était de Pau. Et il avait de la famille en Soul et donc il a appris le basque. Ça lui a plu, maintenant il parle qu'un basque. Et ma mère, elle est native de Soul. Donc elle aussi, il lui semblait important de continuer à parler la langue d'ici et que ça pouvait être enrichissant pour nous. Mon mère voulait progresser en basque elle-même, donc elle a fait en sorte de nous mettre dans une ikastola pour pouvoir progresser en même temps que nous, et parce que c'était donc la langue traditionnelle du pays. On l'a demandé dans ce formulaire, d'après eux, est-ce que c'était la langue basque qui faisait de nous des basques? 14% ont répondu non, 54% ont répondu oui, et 32% autre chose. Pas forcément.
Oui, pas forcément, que ça pouvait être autre chose. Et ce qui est le plus sorti, c'est que c'était le sentiment. Donc c'était pas si important de savoir la langue si on se sentait basque. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont dit que c'était ça, que c'était juste de se sentir basque qui nous faisait basque. C'est quoi les clichés sur nous? Jamais beau. Les crêpes, les chapeaux. Les chapeaux. Les galettes. Les galettes brutales. La pluie. Et le bac, vous le passez comment, vous? On le passe, on a l'histoire géo en breton et tout le reste en français. Vous avez les maths en breton, en basque? Oui. Maths? Oui. Et vous avez l'histoire géo, l'histoire géographique? Oui, je crois. Oui. Ouais. Histoire, maths, physique aussi, non? Physique? Non, justement, il faut les faire, mais on peut. Bio? Non, c'est que les maths et l'histoire. Et par contre, quand je commence à parler, je parle beaucoup et je m'en vais dans tous les sens. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais sûrement, là par exemple, voilà, j'ai commencé puis j'ai du mal à m'arrêter. Ici, on est rentré dans ces nouveaux locaux l'année dernière. Et un an et demi, on était un peu plus bas, juste de l'autre côté des tours, jusqu'à maintenant, dans un ancien collège public qui était en très mauvais état. Cette année au lycée, nous on propose les trois filières générales. LES, S. Et en plus de ça, ça fait 4 ou 5 ans qu'on propose une filière technique STMG. Et depuis l'année dernière et l'ouverture du nouveau lycée, des nouveaux locaux, on a deux filières professionnelles. Il y a 354 élèves cette année, 92 à l'internat, donc que vous avez vu hier. Et on est à peu près 62 adultes qui travaillons. Donc 44 profs et 21 salariés, parce que le but de toute manière de chez HK, des IKH Tola, c'est de tendre à une société qui est plus bascophone. Et donc si on veut avoir des bascophones partout, il faut former des gens un peu partout. Pour vous donner des chiffres quand même, nous on représente au niveau de tous les lycéens du Pays Basque Nord, on représente seulement 3% des élèves. Donc 3% des élèves de votre âge qui sont scolarisés ici, c'est très 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 peu, sachant que les autres filières ont beaucoup beaucoup de mal à vraiment à ce que les élèves qui sortent des filières bilingues soient vraiment bascophones. On vit dans une bulle. D'accord ? Nos élèves, et peut-être vous en parlerez avec eux, je ne pense pas qu'ils s'en aperçoivent toujours. Qui sont vraiment une minorité, et eux vivent dans cette bulle de l'IKH Tola un petit peu, des copains, le week-end ça va être essentiellement aussi des gens avec qui ils restent, c'est des gens de l'IKH Tola. On reste quand même une petite bulle. Hein. On se partit de la vie. Tout le monde ne parle pas basque tout le temps, évidemment, dans le lycée non plus. C'est une situation qui est même devenue anodine. En fait, je pense que c'est ça qui est le pire, on normalise vachement l'utilisation du français, alors qu'on est censé être dans un lycée basque. Même les profs sont plus du tout choqués d'entendre les élèves en français. Puis c'est quelque chose qui est vraiment normalisé, qui rentre, et certains vivent en français totalement sans se poser la moindre question sur la place du basque dans le lycée ou sur sans aucun sentiment de culpabilité. Sentiment que moi j'ai à chaque fois que je parle français. C'est clair que la majorité parle basque, mais après il y a tout le temps des petits groupes qui parlent français, ça c'est sûr. Mais la quasi-totalité parle souvent en basque. Mmh. Oui. Parce que bon, à l'internat quand même, il y a quand même cette atmosphère qui permet de parler basque plus facilement. Les jeunes internes en fait parlent souvent basque, plus souvent qu'à l'extérieur, et ça nous incite à nous aussi à parler en basque. Oui, j'ai toujours parlé en basque, soit j'ai fait le premier pas en basque. Bon, parfois on dérape un petit peu en français, mais oui, sinon toujours en basque. Ça dépend vraiment des personnes, parce qu'il y a des petits groupes, je sais forcément que ils vont tout le temps parler en français entre eux. Il y a des petits groupes comme ça, de base, je les ai jamais entendus parler en basque entre eux, ou très très peu.
Donc quand je passe devant eux, je sais que ben, ça ne va pas changer grand-chose si on leur dit quelque chose ou quoi. Alors qu'il y en a, quand je les entends parler en français et que je suis habituée à les entendre en basque, forcément ça me fait bizarre, mais je me dis, bon, mais eux, ils vont quand même continuer, quoi. Mais parfois, c'est vrai que ça fait de la peine de voir qu'on est dans un lycée basque. Quand on commence à se remettre en question, on se dit, putain, on parle en français, fait... Voilà, ça fait chier, quoi. On devrait pas, on est là pour faire vivre une langue. Donc, quand je vois des personnes, et parfois, même moi, je peux m'identifier à elles, parce que ça m'arrive aussi, voilà. Donc, d'un côté, ça... c'est bizarre. Et on a un rêve, c'est que... c'est que au bout de ce parcours-là, ben, nos jeunes parlent spontanément et de manière informelle en basque. On recherche l'utilisation spontanée et informelle de l'euskara de la part de nos élèves. Après, on pose de plus en plus la question à tout le monde, aux profs y compris. Est-ce que c'est à l'école que ça se joue? Mais sans pour autant renier l'apport de l'école à la langue et à notre épanouissement linguistique, notre épanouissement sociolinguistique. Enfin, rien que de parler, d'être capable de raisonner, de réfléchir, d'aborder des sciences, de la littérature en basque, c'est énorme. Mais il y a de plus en plus de recherches aussi qui remettent en question l'apport de l'école dans cette pratique spontanée et informelle. Nous, on voit que l'école y arrive jusqu'à la fin du primaire. On y arrive à peu près, mais il y a tout un travail sur les cours de récré et tout ça à apporter. À partir du collège, que ce soit à cause de l'âge et surtout de l'environnement sociolinguistique, j'ai dit tout à l'heure que ça baissait, mais il faut se poser la question, est-ce que l'école est l'espace le plus pertinent qui va nous permettre de réaliser notre rêve de pratique spontanée et informelle de l'euskara? Il y a une recherche, une enquête, ouais, très intéressante qui s'appelle Ahoué, qui mesure la pratique sociale des élèves à 10 ans et à 14 ans. Donc, l'enquête confirme que à 14 ans, ça chute. Entre 10 ans et 14 ans, ça chute, l'utilisation. Sauf quand l'environnement sociolinguistique a une offre en basque. Les loisirs, la culture, la famille. Là, ça se maintient. On est 10 ans ou 14 ans, ça se maintient. Au collège, on parlait beaucoup plus français que maintenant. Au lycée, c'est même les anciens élèves et tout, ils disaient qu'au lycée, on avait vraiment... On prenait conscience. Oui, voilà. Plus de conscience et que du coup, on parlait beaucoup plus basque. Mais au collège, c'est vrai que beaucoup d'élèves parlent français. Pas la totalité, mais beaucoup d'élèves. Et j'en faisais partie, moi aussi. Hein. C'est surtout en 6e. Oui, surtout en 6e, parce qu'on se sent... enfin. Je sais pas si c'est parce qu'on se sent grand comme ça, mais bref. Et les profs en cours, quand on parlait français, bien sûr, ils nous faisaient une petite remarque, mais pas de punition. Non. Pour fin collège, j'ai décidé de sortir donc, de cette immersion en basque pour retourner à une éducation plutôt classique. D'accord. Et j'ai quand même regretté cette action. Parce que... enfin, regretté. Ça m'a appris beaucoup, mais... c'est plus du tout la même ambiance, c'est autre chose. Les profs basques qui sont en HHK, donc, ils ont beaucoup plus de relations avec les élèves et ils les prennent bien différemment. Après, je vais pas dire que le basque je l'ai pas regretté, mais les profs, je les ai regrettés. Oui. C'est un déclic qu'il y a eu, moi je pense que je l'ai eu à la fin du collège, quoi.
Avant, je me posais pas trop la question. Je pense que je parlais beaucoup plus en français, mais c'est vrai que maintenant, j'essaie de prendre conscience. Et puis, la plupart de mes amis, je parle en basque. Et il y a certains amis après, et puis bon, ça voilà, c'est à qui j'ai l'habitude de parler en français depuis petit. Et bon, ça, c'est des habitudes qui sont très dures à changer, mais j'essaie quand même de faire un effort et de vraiment persévérer dans ça parce que. Voilà, je me vois mal donner aussi des leçons aux autres sans moi-même parler basque. Alors c'est vraiment quelque chose aussi que j'essaie moi-même d'intégrer dans mon quotidien. Puis bon, de toute façon, voilà, c'est la langue que j'utilise le plus. Tous les jours, j'utilise plus que le français au lycée au moins. Notre idée, c'était quoi déjà? Oui, de faire une genre de manif, un rassemblement avec les, vous, les Bretons, nous. Et les Corses. Non, on avait dit... Les Occitans. Les Occitans. Ouais. Pourquoi pas? Mais on savait pas trop où exactement, parce qu'on se disait, bon, Paris, ça sert à rien. C'est trop grand, de toute manière, ça serait, on serait invisible. On entend beaucoup le basque ici ou pas tellement? On entend plus que le. Enfin, moi j'ai plus que le breton chez nous, c'est voilà, déjà c'est ça. Après, oui, je pense que c'est à peu près moitié-moitié ici. De l'impression que j'ai. Après, ouais, après à l'internat, ouais, je trouve que moi il y a plus quand même. L'internat, il y a vachement. Ouais, ça c'est sûr. Le breton, c'est vraiment des mots qui. De temps en temps qui sortent, mais... Ouais. C'est un peu bizarre d'entendre les deux mélanger aussi, surtout. Entendez-moi. Non, on a entendu, là, on était là, là, le Stein nous a dit. C'est ce que je dis, ça me fait aussi, mélange les deux. Là, c'est nous qui avons choisi de suivre les cours en basque. Donc, c'est leur choix. Donc, s'ils ont choisi de continuer leurs études en basque, ben moi... Je me dis, ben pourquoi ils parlent en français? Bon, c'est vrai qu'on dit des mots parfois en français, mais de parler toujours en français, ça me déçoit parce que c'est... Après, ils vont contaminer petit à petit d'autres personnes, donc... Influencer, quoi. Oui, influencer, oui. Moi, ça dépend, enfin... Bien sûr, ça me fait de la peine, mais après je me dis, bon, ben, ils font ce qu'ils veulent, hein. On peut pas non plus les forcer à parler basque. Puis si on les force à parler basque, après ça va les dégoûter de la langue basque, donc ils font ce qu'ils veulent, mais bon, c'est pareil quoi. Enfin, ils ont choisi de venir au lycée basque, c'est un peu pour parler basque, donc bon, après ils font ce qu'ils veulent. En fait, depuis petit, j'ai associé l'école au basque, parce que c'est à peu près là où on en parlait le plus souvent, enfin on parlait basque le plus souvent, etc. Sauf que j'ai eu beaucoup de mal à l'école, donc c'est-à-dire que je l'ai très très mal vécu. Et du coup, je pense que j'ai associé un peu le basque à du coup quelque chose de négatif. Et je pense que j'ai... Du coup, effectivement, ouais, j'ai eu du mal à aimer cette langue. Je pense que ceux qui sont internes, déjà, la plupart, ils ont vraiment une grosse affection en basque, enfin même 2-3. Et ces 2-3-là, en fait, ils vont aller voir les autres et souvent leur rabâcher de parler en basque. Je pense que ça a plus d'influence venant d'une personne d'un autre âge que d'une personne adulte. Et ça fait changer quelque part. Même au sein du lycée, on a un peu cette image de ceux qui essaient voilà, de défendre le basque, qui sont même à Bachelor Euskaraz pour passer le bac en basque et tout. Et donc j'ai l'impression que plus de gens en fait, auront cet automatisme de passer au basque avec nous lorsqu'ils commencent à nous parler. Mais après, si je parle avec quelqu'un en basque, même si un autre arrive en français, je pense qu'on va continuer en basque. Ça dépend des personnes aussi, quoi. Ça dépend des cas, mais il me semble que c'est plus lui qui va s'adapter à la langue qu'on utilise. Personnellement, elle va passer en français. Mais je connais des gens plus basques, on va dire, dans la langue, qui vont continuer en basque. Parce que justement, pour eux, c'est un manque de respect, quoi. Si vraiment, alors ça dépend, si c'est une personne âgée qui commence à me parler en basque, je vais lui parler en basque. Mais un jeune, je vais pas forcément lui parler en basque au premier abord. Je vais plus souvent aller vers le français parce que forcément tout ce qui nous entoure est en français.
Donc voilà. C'est super compliqué. Parce que pour moi, c'est dur à dire parce que à la base, je suis dans un lycée basque, donc je devrais tout le temps parler basque. Mais ça dépend vraiment des personnes avec qui je suis. Je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise quand ils parlent basque. Même en étant là, comme vous l'avez vu en ce moment, il y a pas mal de trucs qui se passent au lycée parce qu'il y en a trop qui parlent en français. Mais il y en a qui ne sont vraiment pas à l'aise à parler. Et avec eux, parfois, j'essaye de pousser, ils répondent, mais on ne peut pas aller plus loin dans la conversation. Alors oui, avec certaines personnes, je suis obligée de déraper. Et même moi, je suis sûre qu'avec certaines personnes, quelques personnes se pensent qu'il faut déraper avec moi aussi. Mais après, au maximum, j'essaie de parler basque avec les autres. Mais je pense que dans cette situation-là, on peut déraper tout en français. Et évidemment, retourner.